Bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne L'univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 42 ans et je suis une amoureuse des arts du fil. Donc, vous l'aurez bien compris, vous êtes là sur un vlog dédié aux arts du fil. Donc, c'est le vlog S32 2024, je crois. Voilà, donc pour me présenter un peu plus, je suis malentendante appareillée. Je marche avec deux béquilles. J'ai une fille de 14 ans, je suis paxée, je suis comptable RH dans la vraie vie. Je crois que c'est à peu près tout. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous l'univers de Pénélope et sur Ravelry sous Céline Tricozen. Voilà. Donc vous voyez, je suis sur mon canapé comme d'habitude. J'aurais pu m'installer dehors, c'est vrai. Pourquoi pas? Peut-être que je vais le faire après pour tricoter. Donc moi, je suis donc une tricoteuse depuis une vingtaine d'années. Je tricote qu'avec des aiguilles circulaires. Je ne tricote pas avec les aiguilles droites ou alors des doubles pointes. Je tricote donc soit en circulaire, soit à plat avec des aiguilles circulaires. Et voilà, je crois que c'est tout. Je tricote surtout de la laine, très peu de fibres acryliques. Donc de la laine ou alors des fibres végétales. Ça, il n'y a pas de souci, mais très peu d'acrylique chez moi. Pourquoi? Parce que je ne le supporte pas, ça me gratte la gorge, ça me fait tousser, après c'est désagréable, donc voilà. Pour moi, le fait de tricoter, ça doit être un moment agréable. Et si j'arrête pas de tousser et machin, c'est pas du tout agréable. Voilà. Sinon, qu'est-ce que vous trouvez sur cette chaîne? Eh bien, ça dépend de mes envies. Ce sera surtout du tricot. Je vous montre en général mes achats. Je filme en général le lundi, le mercredi et le vendredi. Et les vidéos sortent le vendredi vers 18h, en règle générale. Je filme surtout quand je suis seule à la maison, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 5 juillet, il est midi 38. Donc ma fille m'a abandonnée pour aujourd'hui, voilà, elle va lâchement abandonner. Mon mari travaille, ben, mon co-contractant ou mon copaxé ou je ne sais pas comment vous voulez que je l'appelle. Voilà, ça m'est franchement égal, hein. Ou bien lui trouver un nom. Et alors j'ai que des poissons, je n'ai pas d'animaux style chien, chat, lapin, je n'ai plus de lapin. Et j'ai que des poissons. J'ai un aquarium de 150 litres, Marc et Heim, avec des poissons dedans. Voilà, c'est tout. Vous savez tout. J'organise également des après-midi tricot au domaine des Bufflones. Donc le prochain aura lieu le 10 juillet au domaine des Bufflones à Urbillaire. N'hésitez pas à venir. Hein. Donc il n'y a pas de cotisation. Vous payez ce que vous consommez. Et c'est tout. Venir avec votre projet, votre bonne humeur, et voilà, et ça suffit, Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, je n'ai aucun projet fini. J'ai avancé un tout petit peu sur ma chaussette, mais en même temps, c'est pas ma priorité. Donc là, j'utilise les laines. Un kit à chaussettes de ma tricopine Séverine. Donc, c'est son kit coucher du soleil, je crois, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup. J'adore. J'aime beaucoup ce bleu turquoise, là. Il est plutôt plus turquoise que bleu. Là, il apparaît plus bleu, alors qu'en réalité, il est beaucoup plus turquoise. Et donc, le jaune qui ressort à peu près bien. Ouais. Peut-être un peu plus pétant en vrai que ce qui sort là. Voilà. Et donc j'adore le combo des deux, c'est vraiment magnifique. Donc là je suis toujours sur la sole du pied, je vais bientôt arriver aux augmentations du gousset parce que moi je tricote que des talons renforcés à gousset, sinon les autres sont trop petits et me font mal au niveau du coup de pied, donc il n'y a pas d'intérêt hein, d'avoir une chaussette qui vous fait mal. Voilà. Donc non, je tricote que des talons renforcés à gousset. Et je continue tranquille sur cette chaussette. Donc
Je vais dessiner un motif de jacquard pour la tige de cette chaussette. Parce qu'en fait, je me dis, c'est dommage de juste la tricoter avec de si magnifiques couleurs, de juste la tricoter comme ça, tout bêtement. Je vais voir. Je vais essayer de trouver quelque chose. Je vais voir. Je vais réfléchir. Donc là, c'est du 75-25, il me semble. Je crois. Je n'en suis plus sûre. Ai-je une étiquette? Je ne sais plus. Non, là, je n'ai pas d'étiquette sur moi. Mais c'est du 75-25. Et c'est du 50 grammes, 210 mètres. Et ça, c'est du 80 grammes, 85 mètres, un truc comme ça. J'aime beaucoup. Hein. Franchement, j'adore. C'est agréable à tricoter. Donc là, je la tricote en 2,5 avec des aiguilles Xiaogu 23 cm. J'aime bien. Donc là, le contrant, c'est un contrant de chez Le Repère des Triples Copines. Bon, ça, c'est pas du tout ce qui va avec. Normalement, c'est un autre mousqueton qui va avec. Et là, me semble-t-il, voilà, c'est celui-là. Donc, ce contrant, il vient avec la papatte de chat. Et ça. Et donc, pas du tout avec ça qui vient de chez Woolbag, je crois. Donc, pas du tout avec la feuille d'érable. Hein. Voilà. C'est fait. Je vous ai montré. Donc, comme j'aurais fini en fait le nombre de rangs avant les augmentations, je changerai. Là, je retirerai le contrant et je mettrai truc à la place, deux marqueurs. Donc un marqueur de début de rang qui sera un peu différent et un marqueur ampoule qui marquera le milieu de rang. Voilà, tout simplement. Comme ça me permettra de mettre en avant donc la partie du haut du pied et la partie du bas du pied. Puisque je fais les augmentations en fait à une maille après le marqueur de milieu de rang et une maille avant le marqueur de début de rang. Je vais donc c'est 64 mailles, donc je vais augmenter jusqu'à avoir 64 mailles au niveau du pied, au niveau de la deuxième moitié. Hein. Voilà, donc il y aura 64 plus 32, ça fait 96 mailles sur l'aiguille. Et ensuite, je vais faire le talon renforcé. Donc ça pose pas de... ça pose pas de soucis. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup tricoter les chaussettes parce que je trouve ça vraiment le projet super pratique dans le train. Ou alors, ben là, je vais le tricoter samedi, lors du prochain tricoté que nous aurons. Comme ça, moi, ça, j'ai pas besoin de réfléchir plus que ça, hein, puisque je peux continuer à papoter avec les copines et continuer à tricoter en même temps. Ça posera absolument aucun souci. Donc, ça, c'est vraiment le patron, le style de projet que j'aime beaucoup quand on fait des tricotés ou ce genre de choses, c'est qu'on peut continuer à tricoter sans aucun problème, sans être dérangé ou sans devoir tout le temps vérifier son tricot. Ça pose vraiment aucun souci. Donc on continue de tricoter comme si de rien n'était. On pense juste à bouger ses marqueurs. Et puis après, ben, je ferai les augmentations au moment où il faut faire les augmentations. Et puis c'est tout. Voilà. Vous voyez, là j'ai tricoté quelques mailles. C'est vraiment le genre de choses où j'ai pas besoin de regarder. Hein. C'est du jersey, donc on tricote tout à l'endroit. Et voilà. Je suis désolée, c'est les voisins qui partent et ils ont une voiture qui fait beaucoup de bruit. Un gros 4x4 là avec une boîte automatique. Mais alors, c'est parce que ça fait comme bruit ce truc. Voilà. Alors, attention. Je viens de recevoir un message que mon rendez-vous a encore été modifié chez Aurélie. D'accord. Et il a été modifié comment? Finalement, j'ai rendez-vous vendredi matin. Bon, d'accord. Bon.
Voilà, j'aurai rendez-vous vendredi, j'irai vendredi matin, 9h15. J'espère qu'elle va pouvoir nous. Ça fait déjà 3 fois ou 4 fois qu'elle me décale ce rendez-vous. Voilà, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Oui, je n'ai pas coupé. Pourquoi? Parce que ma fille est en déplacement. Enfin, en déplacement, non. Elle est sortie aujourd'hui. Et que si jamais elle m'appelle, je veux pouvoir être joignable. Tout simplement. Même si j'ai tout à fait confiance en la personne avec qui elle est sortie. Hein. Elle est partie avec un adulte sur Strasbourg. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. Je veux juste être joignable si jamais elle a besoin de me joindre. Alors, ça c'était pour ma chaussette. J'ai également continué mon châle, mon test de châle que je fais pour Laetitia, même les anges tricotent. Zut. Et là, j'ai fait une petite bêtise, donc je vais devoir défaire hein, juste cette partie-là. Voilà. Enfin bon, bref, y a rien de grave. Hein. Je vais démonter, enfin défaire juste ces quelques mailles là, donc ça va aller. Et défaire encore 2 rangs. Et puis c'est réglé. Et je vais les retricoter. Il n'y a pas. J'étais pas encore très loin, donc ça va. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Donc j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Je réfléchis juste à ce que je fais. Ou est-ce que je fais une ligne de vie et je. Ouais, non, je vais défaire et puis voilà, tout simplement. Donc, je teste le Brioche Dream pour Laetitia, même les anges tricotent. Je le tricote donc avec des laines de chez Laine et Chaudron. Par contre, je ne pourrais pas vous dire la base puisque je n'en sais absolument rien du tout. Il n'y avait aucune base de mentionnée sur les étiquettes. Donc nous, on nous a proposé des kits. J'en ai pris un qui me plaisait. Et voilà. Aujourd'hui, c'est café. Hein, comme c'est juste après le repas. Voilà. Aujourd'hui, café. Voilà. Donc, ouais, c'est de la. Donc, il y a de la brioche. Il y a du point mousse. Il y a du jersey avec des nopes. Il y a de la brioche. Et du point mousse. Et ensuite, j'ai encore donc, je crois, il y a en tout 6 sections de brioche, il me semble. Voilà. Et ouais, et entre, j'aurai encore des sections de pain mousse, des sections de nope, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment super. Le patron, il est vraiment facile à lire, c'est agréable à tricoter. Bon, et alors les laines, elles sont d'une douceur. Oups, j'ai failli me crever un œil. Les laines, elles sont d'une douceur, c'est magnifique, franchement, c'est trop génial à tricoter. J'adore. Et c'est absolument pas compliqué du tout. Maintenant, ça arrive à tout le monde de faire une bêtise, hein, comme moi, hein, ça peut arriver. Là, j'ai déjà commencé à rentrer les fils parce que franchement, ça me saoulait. J'avais toujours peur de qu'il y avait un fil qui parte. Donc, j'ai commencé à rentrer tous les fils. Et après, ben, je continue sur ça, puisque la chaussette, comme dit. J'ai pas besoin de travailler dessus là pour le moment, il n'y a pas d'urgence absolue. Je vais continuer à travailler dessus donc samedi, tout simplement. Et je vais faire avant mon idée de comment ça s'appelle, dites-moi, de jacquard. Et puis sinon, bah, je ferai des rayures toutes simples. Je vais voir. Ça dépend en fait de mes envies. Ça se trouve, je ferai des rayures toutes simples. Que j'aime aussi hein, d'ailleurs. Et donc là, je voulais juste vous montrer, j'ai un super petit pochon donc pour mettre mon Brioche Dream. Donc le Brioche Dream, le patron sortira début septembre pour la rentrée scolaire. Voilà. Donc pour la rentrée, vous aurez un nouveau patron pour vous éclater si vous avez envie de faire de la brioche. Donc c'est tout à fait compatible brioche débutant. Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait compatible. Et je suis déjà en train de défaire. Bon, ben voilà. Parce qu'en fait, c'est super facile à faire. Hein. C'est pas plus compliqué à faire qu'à défaire. Maintenant, ça arrive à tout le monde de devoir défaire. Je pense qu'une tricoteuse qui n'a jamais eu besoin de défaire un rang de tricot, ça ne doit pas être courant.
En 20 ans, j'ai déjà fait, défait, refait, recommencé, redéfait, faire et défaire, c'est toujours faire, hein, m'a-t-on dit. Mais franchement, ouais, comme dit, c'est super agréable à tricoter. Donc, c'est vraiment un plaisir, un réel plaisir de tricoter ce patron-là. De Laetitia, même les anges tricotent. Il est vraiment magnifique. Donc, il y a d'autres testeuses qui l'ont déjà fini. Maintenant, on est encore aussi quelques-unes à ne pas l'avoir encore fini. Et voilà. Et voilà. Tout simplement. Mais je suis déjà réengagée sur un nouveau test avec Laetitia, même les anges tricotent. Et donc là, c'est une collaboration avec Arco Graciarn. Et comme j'avais du Arco Graciarn à la maison, eh ben, j'ai postulé. Et comme il était magnifique, hein, le prochain test, j'ai postulé et je vais utiliser donc ce kit H7 que j'ai. Donc c'est la base Dobby, c'est du 85 Merino Superwash 15% nylon. Donc c'est du... Donc ça c'est pour les chevaux 100 grammes 400 mètres. Et celui-là c'est du 75-25. Donc 75% Merino Superwash et 25% nylon. Et c'est du 20 grammes 80 mètres. C'est le kit Mauduit. Le kit Mauduit. Et j'aime beaucoup. Je pense que dans ces couleurs, dans ce coloris-là, il va être magnifique là, le prochain test. Donc je vais déjà travailler sur celui-là. J'espère l'avoir fini fin de semaine, celui-là. Elles sont où, mes aiguilles? Ouh! Où êtes-vous? J'ai perdu mes aiguilles? Non, là elles sont. Voilà. Donc, je vais déjà continuer sur ce test-là. Et ensuite, je vais démarrer le nouveau. De toute façon, le nouveau, il n'y a pas une urgence absolue, là, tout de suite dans l'immédiat. Et dès que j'aurai fini celui-là, je vais également continuer. Je vais essayer de continuer. Donc, celui-là pour Christelle Elka Design, que je n'avais pas continué parce que, ben oui, vous savez ce qui s'est passé, hein, pour celles qui me suivent. Et pour le moment, j'y arrive pas encore. Donc, c'est pas que je vais pas, c'est que bon, c'est difficile, ça me rappelle de mauvais instants, et là je dois avouer que c'est aussi une période qui va être très difficile pour moi parce que le 14 août, ça va faire 6 ans que mon père est décédé, et le 14 août, c'est les 80 ans de ma belle-mère. Voilà, c'est pas évident. Alors, pas les 80, je suis contente pour elle, mais voilà, ça va faire 6 ans ce jour-là que mon père est décédé, ça c'est beaucoup moins évident. Beaucoup beaucoup moins évident. Et puis après, ben, on a le Arnaud Cyrus que je continue doucement, sûrement. Donc je n'aurai pas du tout terminé pour cet été, mais enfin vu l'été que nous avons eu, ça posera pas de soucis. Voilà, je continue doucement et sûrement sur mes projets, tranquillement. Il n'y a pas d'urgence, je n'ai pas besoin de prendre de train. Donc voilà, la semaine prochaine vous verrez un nouveau projet, ça c'est sûr. Je ne pense pas le débuter encore cette semaine. Je pense le débuter vraiment la semaine prochaine. Même si, de ce que j'ai vu, le patron, là, ça n'a pas l'air des masses compliquées. Mais j'ai déjà envie de voir ce... Pardon. Ce magnifique écheveau en cake. Il est beau, hein? Il est beau. Donc, Arco Graciarn. Donc celui-là, je l'avais acheté en destache. Je ne sais plus chez qui. Mais celui-là, je l'avais acheté en destache. Celui-là que j'avais acheté neuf au Festival Breslen, c'était aussi un kit à chaussettes. Et c'était le kit à chaussettes Patronus. Et ouais. Alors, je voulais vous montrer également. Donc, vous savez que jeudi dernier, j'étais à Strasbourg voir un médecin. Bon. On va éviter de parler des choses qui fâchent. Mais j'ai été trempée mouillée. Et mon magnifique livre, Les tricoteuses du bord de mer, ben, il a pris la flotte dans mon sac à dos. Et voilà à quoi il ressemble maintenant. Il est dans un état lamentable. Je n'ai jamais eu un de mes livres dans cet état-là. Jamais. J'ose à peine encore ouvrir les pages, j'ai peur que de le déchirer.
Et encore, il n'est pas encore tout à fait sec. L'étiquette qui était dedans, donc, c'était celle de Maman Cœur de Guimauve. Hein, voilà, elle a pris la flotte aussi. Même ça, c'est pas tout à fait sec. Ah bon, bref, donc je le laisse encore sécher. Pour le moment, je ne continue pas à le lire. Je vais d'abord le laisser sécher vraiment. Donc vous voyez, c'était jeudi dernier, on est lundi. Je vais déjà le laisser sécher tranquillement, gentiment. Et espérer que ça ira. Mais c'est pas grave. Je ne suis pas au bout de mes ressources. Je me suis acheté... Ben, ils sont pas là, mais je me suis acheté... 2, 4, 6, 8, bon, je crois une dizaine de nouveaux bouquins. Ça fait qu'augmenter ma pile à lire. Mais pour le moment, je n'arrive pas à la diminuer, je ne fais que l'augmenter. Mais j'y peux rien. Donc là, ce que je vais faire en attendant que celui-ci sèche, je vais en lire un autre parce que là, j'ose pas trop le lire parce que j'ai peur, franchement, de tant qu'il n'est pas sec, d'arracher les pages. Je vais le remettre à sécher, mais j'ai peur de tout arracher pour le moment. Donc, pour le moment, je ne l'utilise pas. Et je crois que c'était tout pour aujourd'hui, me semble-t-il. Je vous ai parlé de ma chaussette, je vous ai parlé de mon châle et je vous ai parlé de mon futur projet. Et aujourd'hui, ben, je ne vous tire pas de carte, je vous tirerai une carte, ou alors je vous la tire après, je ne sais pas si je reviens après ou pas. Allez, donc normalement, à mercredi, bye! Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes jeudi 8 juillet, il est, quelle heure? 9h57. Alors, au niveau du temps, bon, c'est pas encore GG, mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, j'ai avancé un petit peu, j'ai rien terminé et j'ai fait des recherches aussi. Pourquoi ? Ben, ma chaussette, là, je vais devoir la laisser en attente pour le moment parce que je vais démarrer un test secret qui doit être fini pour le... Le 3 septembre, un truc comme ça, je ne sais plus. Donc, je vais démarrer ce test. Donc, je vais laisser cette chaussette. C'est pas que je vais la laisser, c'est que je vais déjà la changer d'aiguille. Je vais, comme j'utilise cette aiguille-là pour tricoter, donc je vais la mettre sur une de mes aiguilles Nick Pro. Et ça va me servir. Donc là, je fais des recherches sur des couleurs que j'ai encore à la maison. De la laine à chaussettes que j'ai encore à la maison. Je vous dis pas, on trouve des trucs. Hein? Voilà, voilà. On cherche. Enfin, qui cherche trouve. Hein? Non, pas ça, mais ça. J'ai retrouvé ça aussi comme reste. Ça aussi. Donc ça, c'était le reste du châle briochette. Ça, c'est de la Bicycle, la laine à chaussettes de chez Bicycle. Ça, c'est le reste des chaussettes les Socktober. Voilà. Et ça, je ne sais plus ce que c'est comme reste. C'est un reste de quelque chose. J'en sais rien. Donc, je vais voir ce que je vais utiliser. Donc, ça, c'est pas un reste. Hein. Ça, c'est un écheveau. Mais voilà, en fonction de, je vais voir ce que je vais utiliser. Et ça peut être pas mal avec. Est-ce qu'il y a du bleu aussi un peu? J'en sais fichtrement rien. Ouais, je vais utiliser ça, c'est pas mal non plus. Voilà. Ou alors plutôt. Attendez, j'avais encore un autre reste. Ou alors plutôt ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais voir, ça m'éviterait de, si j'utilisais ça, ça m'éviterait de d'utiliser ça. Et là, ce sera un reste que j'ai retrouvé quelque part. Donc ouais, je vais voir plutôt utiliser des restes que je trouve ça et là. Donc ça, c'est un reste. Et ça, c'est un reste. On va voir, on va essayer de retrouver des restes un peu partout.
Est-ce que j'ai besoin d'un coloris comme ça? Non, je ne crois pas. Celui-là, c'était normalement pour faire des chaussettes avec ce reste-là. Mais finalement, quand j'ai fait un châle briochette avec, ben, j'ai ce mini de 20 grammes. Voilà, que je n'ai pas utilisé au final. Ça, c'est le chez Maman Cœur de Guimauve. Et c'est le coloris coucher de soleil. Ça, c'est du tricot stitch. Je l'avais eu en cadeau dans les vœux et les nœuds de Lila Bulle. Ça, je l'avais acheté dans un kit au festival Bretzlaine. Et ça, je ne sais plus. Je me souviens plus. Je ne sais pas. C'est quelque chose. Mais je me suis dit que ça fait bien le noir en fait. Ça ferait bien le contraste. On dit c'est du noir ou c'est pas du noir. On se fiche tellement rien. Donc je vais utiliser ça pour faire du noir. Voilà. Donc voilà. Donc ça je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Ça probablement aussi. Ça très certainement aussi. Ça. Et après, je verrai. Et après, je verrai. Ça, c'est fort probable également. Voilà, j'ai trouvé des restes un peu partout. Donc, je vais utiliser mes restes. Et puis, basta. J'ai peut-être changé aussi de. Donc, là, je vais mettre cette chaussette-là en attente sur cette aiguille-là en attendant. C'est des nids pro. Hein. C'est juste que j'aime pas trop utiliser les nids pro. Donc, j'aime plus trop. Parce qu'au niveau de la jointure, ça n'a rien à voir avec le chiaou. Là, par exemple, on sent déjà ça accroche. C'est pas terrible, terrible, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'était des choses que j'ai depuis des plombes à la maison. Ça fait partie d'un kit de trois. Il y a encore un blanc et un bleu. Donc, je vais voir, je vais étudier tout ça, et puis je vais faire, et puis basta. Je me suis dit, je vais chercher encore des restes que j'ai. Je savais que c'est un reste d'un châle que j'ai tricoté également l'année dernière. Voilà. Et voilà. Nickel. Et ça, je vais l'utiliser comme autorien. Désolée. C'était mon petit mari qui m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il m'aimait. Voilà. Et ouais, après 20. Ouh. Ouais, bon, on s'en fiche, vous avez l'habitude. Hein. Toute façon, mes cheveux, ils se mettent. Voilà. C'est bon. Yo, c'est de pire en pire. On dirait qu'il y a bientôt un nid d'oiseau qui va se poser là-dedans. Voilà. Donc, ah bah je ne vous ai pas tout montré de ma petite chaussette du coup. Oui. Donc là, je suis dans les augmentations du gousset. Ou alors je termine celle-là vite fait. J'en sais rien. Je vais voir. Sachant que je ne sais, non, je ne vais pas la terminer vite fait parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je veux faire en haut, tout simplement. Donc, plutôt que de faire n'importe quoi, je préfère la mettre en attente. Et je fais l'autre et après je reprends celle-là pour faire ce que j'ai envie de faire. Après là c'est un truc totalement standard, donc je peux faire une soquette, je peux faire une chaussette. Comme j'ai commencé par la pointe, je peux faire exactement ce que je veux. Ça c'est super pratique. Quand vous commencez par la pointe, l'avantage c'est que effectivement vous pouvez utiliser ce qui vous reste de laine, quoi. Hein. Vous tricotez. Le mieux, c'est même de tricoter les deux ensemble. Comme ça, vous liquidez vraiment toute la laine jusqu'au bout. Ça, j'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà mélangé deux laines à chaussettes. Et donc, c'est des pareils, pas pareils. Hein, parce qu'en gros, elles ont exactement la même taille et tout ça. Elles ont toutes les deux enfin, les mêmes laines. Sauf que ben, y en a une qui a plus d'une laine que l'autre. Voilà, donc
Il y en a une qui a une pointe d'une couleur, l'autre de l'autre couleur. Et puis, il y en a une qui a le pied, enfin, le pied et la tige chacune a une autre couleur pour le pied et la tige. Et pour les côtes, elles ont toutes les deux la même couleur. Voilà. J'ai liquidé, mais vraiment jusqu'au bout, hein. J'ai liquidé la laine jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, au moins, ça, c'était liquidé. Parce que j'en ai un peu. Quand vous avez là des petits restes comme ça, là. C'est. Alors, oui, c'est bien pour faire des couvertures. C'est pratique. C'est vrai que c'est pratique pour faire des couvertures. Et là, vous voyez, ça m'est utile pour faire ce que j'ai l'intention de faire, quoi. Voilà. Et ouais. Et ouais. Et donc là, j'ai terminé ma partie 8. J'ai terminé ma partie 9. Et maintenant, je commence la partie 10. Je suis de nouveau dans de la brioche. Donc ça, c'est mon test pour Laetitia, même les anges tricotent. Et voilà, je suis de nouveau dans ma partie 10. Donc ensuite, il me reste cette brioche-là à faire, ce morceau de brioche. Après, j'ai de nouveau des nopes. Et ensuite, il me reste encore une section de brioche à faire. Et après, il me semble qu'il y a de la dentelle de fin. Donc, franchement, c'est super agréable à tricoter. La laine, c'est de la laine et chaudron. Donc, ça, c'est mon coloris B, coloris C, coloris A. Je ne sais pas vous dire quelle qualité c'est parce que je n'en sais rien. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Donc ça, c'est l'envers, ça, c'est l'endroit. Il est vraiment très très beau. Et alors vraiment super agréable à tricoter. D'ailleurs, c'est ce que je vais tout de suite tricoter maintenant pour pouvoir continuer. J'aimerais bien terminer cette partie-là ce soir. Parce que demain matin, je ne suis quasiment pas là de la matinée. J'ai rendez-vous chez la kiné. Donc, le temps que je prenne le bus, machin, j'ai encore un truc à aller chercher. En gros, il va être presque. Je prends le bus demain matin à 8h15 et je vais rentrer aux alentours de 11h. Voilà, vous êtes un peu haut, non? Oui, aujourd'hui j'ai mis un t-shirt bleu. Un t-shirt bleu, voilà. Alors, je réfléchis tout doucement à ce que je veux emmener, quel projet je veux emmener quand je vais partir en vacances. Il y aura de la chaussette, il y aura probablement un châle. Bon, celui-là, je vais l'avoir terminé, donc ce ne sera pas celui-là. Ce sera un autre. Et oui, et certainement chaussettes. Oui, c'est sûr, chaussettes, oui, c'est sûr. Donc, je commence déjà tout doucement à m'organiser un peu, à savoir qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que j'emmène pas. En plus, je voulais passer chez une tasse de filet d'aiguille, qui est donc à Boulogne. Et manque de bol, elle est fermée la semaine où j'y suis. Bon, bah c'est pas grave. Je crois qu'il y a aussi une mercerie à Berck. Là, je ne la connais pas. Je sais pas si elle est bien, si elle est pas bien. Il me semble qu'elle est pas loin de la rue Carnot. Je crois que c'est la rue Carnot. Moi, je sais plus. Elle doit pas être loin, donc je vais voir. Je vais faire un petit tour, voir s'il y a des choses intéressantes. Trouve toujours des petites choses, toujours, toujours. Alors aujourd'hui, je vous montre juste. Je me suis fait un thé. Bon, la tasse est presque vide. Grand Yunnan impérial du Palais d'été. Donc c'est un thé du matin. Et vous voyez, ben hier j'ai fait des recherches, donc ça a un peu bougé, c'est un peu le chantier. Faut que je range. Ouais, je sais, faut que je range. Ouais, mais flemme. Non, faut que je range. Là, faut que je range, j'ai pas trop le choix. Pas flemme. C'est juste qu'en fait, il faut que ma fille, elle m'aide à chercher la boîte. Pour mettre des pelotes dedans parce que moi j'y arrive plus tout simplement, donc on va trouver des solutions autres et je
vais faire du tri. Je vais devoir faire du tri. J'ai pas le choix. Et oui, je vais devoir faire du tri. Bon, je sais déjà, il y a aussi du tri dans mes livres que je vais faire. J'en ai déjà fait. Mais là, je vais encore en refaire. Voilà. So, bah, sur ce, je ne sais pas encore si je vais filmer demain. J'en sais rien. Je vais voir. Peut-être encore à ce soir. Peut-être à demain. Allez, bisous. Bye. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi 9 juillet. On a un peu changé de décor. Je suis dans ma chambre en fait pour filmer. C'est pas forcément super pratique. Mais bon, on se débrouille. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, si au niveau du son c'est bien ou pas. J'en sais rien. Donc, moi, j'ai pas grand chose en tricot à vous montrer. La chaussette, j'y ai pas touché depuis hier. Concernant le châle, j'ai dû démonter. Parce qu'en fait, donc là sur le premier rang, donc pas sur le rang de mise en place, mais sur le premier rang endroit là, j'ai tricoté le rose en maille en vert au lieu de tricoter en maille en droit. Donc il y a quasiment, on va dire, les deux tiers d'un demi-rang que j'ai dû démonter. Voilà, et j'ai dû démonter deux rangs en plus. J'aurais pu le faire s'il avait s'agit de quelques mailles. J'aurais pas eu besoin de démonter, je l'aurais fait comme ça. Voilà. Sachant que c'était au moins sur une centaine de mailles, non, je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai préféré démonter les ronds. Donc c'est le test du brioche dream de Laetitia, même les anges tricotent. Donc là, je vais sur une aiguille d'un mètre. Il me semble ouais, que c'est du 1 mètre. Ouais, ça doit être du 1 mètre. Et, oh zut là, cacahuète. C'est où? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai un rouge? Voilà. Donc c'est une aiguille d'un mètre en 3,5. La laine, c'est de la laine et chaudron. Je ne sais plus quelle, parce que c'est pas mentionné, donc je ne sais plus du tout quelle est la composition. Donc du coup depuis hier j'ai pas avancé grand chose puisque j'ai dû démonter beaucoup. Donc après je vais continuer à avancer sur ce châle et puis c'est tout. Donc il n'y a vraiment pas grand chose sur la chaussette, j'ai même rien fait encore. De toute façon je vais mettre la chaussette en attente. Ou alors je vais pas la mettre en attente. Je vais continuer à la tricoter demain. Et ensuite, à partir de dimanche, je vais commencer un nouveau test. Voilà. Et oui, comme ça, demain, pour le tricoter, j'ai quelque chose de zéro cerveau à faire. Hein. Donc, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup. Et voilà. Et ce sera parfait. Je vais mettre mes embouts pour pas perdre de maille. Donc, je les avais achetés chez ma copine Séverine, maman au cœur de Guimauve. Et voilà. Donc là, c'était mon sac que je m'étais acheté cette année à l'Écheveau Solidaire, donc lors du festival Oiselet. C'est le badge que ma copine Séverine m'avait offert au festival. Et donc, là, j'ai mis un peu toutes mes affaires de tricot. Ah, je me suis acheté une nouvelle petite pochette en destache. Et là-dedans, j'ai mis ma petite paire de chaussettes. Ma petite chaussette, voilà. Elle est là, ma petite chaussette. Ça y est. Donc, je l'ai mis dans cette pochette. Est-ce que j'ai mis mon autre pochette ailleurs? Vous savez, celle où j'ai mon... Ah, ben là, voilà. Donc, en fait, demain, quand je vais aller au tricoter, je vais juste emmener ça comme ça, avec ma soquette, et c'est réglé. Et j'ai tout ce qu'il me faut dedans. Voilà, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins. Voilà, j'aurai tout ce qu'il me faudra. Oh, j'adore. Et voilà. Donc là, dans ce sac, j'ai tout. Donc j'ai utilisé
mon nouveau petit pochon pour mettre déjà mon futur projet. Donc j'ai pas encore bobiné. Pour le moment, j'ai pas encore l'intention de le bobiner. Je vais peut-être le faire lundi. De toute façon, celui-là, il partira avec moi en vacances. Voilà. Donc c'est une base, c'est du Arco Irisian et c'est le Modwin sur la base Dobby. Voilà. Il est vraiment très très beau. Donc je vais le faire comme ça. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai dans ce pochon-là? Ah bah j'ai mon Arnaud Series qui n'a pas bougé. Voilà. Donc ça, c'est dans ce pochon-là. Et dans ce pochon-là, j'ai quelque chose que je ne peux pas vous montrer. Voilà. Bon, bah, j'en ai des pochons. Et tout rentre dans ce magnifique sac que j'ai acheté chez Les Chevaux Solidaires. Et là, alors, ce matin, j'ai reçu, enfin je m'étais acheté, on avait commandé ensemble l'oracle de Madame Marius. Donc c'est une travail pour le laboratoire doTERRA, donc les huiles essentielles que moi j'utilise. Et nous allons l'ouvrir. Merci. Ah, qui a-t-il? Donc le, je ne sais pas à combien sont les frais de port. Le l'oracle, lui, coûte 29 euros. Donc il est présenté dans ce pochon. Et est-ce qu'on arrive à le sortir? Oh là! Effectivement, c'est pas très gros. Donc, il y a écrit l'oracle des gardiennes aroma. Voilà. Donc là, c'est encore sous son plastique. L'oracle des gardiennes aroma est là pour vous aider à vous connecter avec votre essentiel. Choisissez votre carte ou vos cartes. Elles ont des messages pour vous guider vers la meilleure version de vous-même. Fermez ensuite les yeux avec votre flacon et laissez-vous transporter pour un voyage olfactif qui vous transportera vers votre chemin. Donc c'est de Louise Marius et Sabrina Margani. Essayons de l'ouvrir ce truc. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir sans tout abîmer? Allez hop. Les cartes, elles glissent plutôt pas mal, je dirais. Elles sont assez lisses. Au niveau de l'épaisseur, ça va, c'est du carton sympa. Donc les dessins sont vraiment pas mal. Donc là, par exemple, c'est l'huile essentielle qu'il nous faut et j'accepte qui je suis. Donc les dessins sont vraiment en rapport avec la citation. Ça, c'est l'arrière, donc là on voit la goutte d'huile essentielle, les roses, enfin les étoiles, c'est vraiment magnifique. Les dessins sont très bien faits, la couleur beige est très neutre, c'est vraiment très épuré, c'est fort sympathique. Et donc bien sûr les fleurs nous rappellent les huiles essentielles, là la goutte nous rappelle les huiles essentielles, et bien entendu les huiles essentielles, ben c'est... sont en rapport direct avec, avec les cartes, notamment les huiles essentielles doTERRA. Après, au niveau, donc il n'y a pas de... Les bordures sont brutes, hein, elles ne sont pas peintes. Au niveau de la prise en main, bon, la prise en main, les cartes sont plutôt relativement grandes. On va voir si j'arrive à en faire tomber une. Donc là, l'oracle, je viens de l'ouvrir, donc il n'a pas encore été purifié. Je vais le purifier à l'encens après,
Et voilà. Voyons voir s'il nous sort quelque chose. Donc, pour le moment, elles ne se plient pas les cartes. C'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'elles sont quand même dans un carton assez épais. Bon, je vais prendre celle-ci. Half Moon, cheer. Je suis en route. Alors effectivement, on voit les escaliers. On est en route vers quelque chose de beaucoup plus élevé. On s'élève en fait hein, vers les voies célestes. Donc le cheer, c'est un mélange d'huile essentielle de chez doTERRA. Je sais que celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien, le cheer, je crois. Il me semble que oui. Celui-là, je l'aime bien. Donc, on l'accepte. Hein, on est en route. Effectivement, il y a pas mal de choses qui ont bougé ces derniers temps et qui m'emmènent vers autre chose. Je n'ai pas encore tous les tenants ni tous les aboutissants, mais ça va venir. Ça va venir. On va accepter tel que ça vient. Et puis après, bah, on va s'adapter par rapport à ce qu'on aura, par rapport aux nouvelles informations, par rapport aux nouvelles cartes, par rapport aux nouvelles donnes. Voilà. Donc, moi, vous savez que les oracles, hein, c'est quelque chose que j'adore. J'ai aussi hein, l'oracle de l'écheveau solidaire. Hein, je l'ai aussi. Hein, spécialisé donc sur le, notamment sur le tricot. Donc, moi, j'ai l'oracle de l'écheveau solidaire. Il n'y a pas de souci. J'en ai plusieurs des oracles. Un certain nombre ou un nombre certain, c'est à peu près comme vous voulez. C'est égal, ça vient du pareil au même. Bon, par contre, le pochon est vraiment pile poil. Voilà. Donc on le rentre de manière vraiment. On fait attention. Et là, ce qui m'érange, c'est que là, il n'y a même pas de nœud. Il faut que je fasse un nœud. Parce que sinon, les fils, ils vont rentrer à l'intérieur. Je vais faire un petit nœud là. Vous voyez, les deux fils sont libres. Les deux fils sont libres. Donc là, je vais faire un petit nœud, histoire d'avoir aucun des deux fils qui rentre à l'intérieur du pochon. Parce que sinon, il faut de nouveau le ressortir. Donc, on va faire ça tranquillement. Même si j'ai largement de quoi faire si jamais, effectivement, je devais perdre le fil. C'est pas un souci, j'ai de quoi faire. Mais tant qu'à faire, autant faire un petit nœud. Et voilà, c'est réglé. Mon petit oracle, je crois que je vais l'emmener avec moi en vacances aussi. Ben, je vais le laisser en fait dans mon sac de tricot. Donc ça, je vais jeter. Ça, je vais jeter. Peut-être je vais garder le petit merci. Voilà, ça c'est jamais perdu. Vous savez que j'adore les étiquettes. Vous savez que ça, je les adore. Et oui, je sais juste pas encore sur quoi la coller. Et voilà, j'ai trouvé. Oh, et voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais garder l'étiquette. Donc, ça, c'était les nouveautés que je voulais vous montrer. Ensuite, je ne sais plus si je vous ai déjà montré. J'ai acheté de nouveaux livres pour ma petite bibliothèque. Donc, la petite herboristerie de Montmartre, de Donatella Rizzatti, à deux pas de la rue Le Pic à Montmartre, Viola Consalvi passe pour la première fois la porte d'une herboristerie. Pour cette passionnée de naturopathie, la découverte de ce lieu hors du temps est un véritable coup de foudre. Au contact de cet endroit magique et de sa propriétaire, Gisèle, la jeune étudiante, est confortée dans son choix d'étudier la médecine alternative. Son diplôme en poche, Viola retourne à Rome et rencontre Michel, avec qui elle va vivre 6 années de bonheur, d'amour et de lumière. Mais lorsque le destin lui vole brutalement son mari, son monde s'écroule. Au plus fort de la tourmente, une idée lui traverse soudain l'esprit. Et si elle retournait à Paris, là où tout a commencé ? Donc franchement, ça me faisait envie.
Donc toujours en livre de poche, hein, parce que c'est plus pratique pour ranger dans la bibliothèque. J'aime bien avoir tous les livres de la même taille. Et donc là, en livre de poche, il y a 522 pages. Donc ça va, c'est pas énorme. Hein. Il est vraiment bien. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je ne sais plus. J'ai aussi acheté l'irrésistible histoire du café Myrtille de Marie Simses. Hélène Branford, jeune et brillante avocate, mène une vie affairée à New York. Pour exaucer les dernières volontés de sa grand-mère, elle se rend à Bacon, minuscule ville côtière du Maine. Elle doit y retrouver l'amour de jeunesse de son aïeul et lui remettre une lettre. L'affaire d'une journée, pense-t-elle, mais rien ne va se passer comme prévu. À peine arrivée, Hélène tombe d'un ponton et manque de se noyer. La photo de son sauvetage par un certain Roy fait la une du journal local. Le destinataire de la lettre reste introuvable et le passé de sa grand-mère recèle ce qu'Hélène n'aurait jamais pu imaginer. Alors que son séjour se prolonge, la jeune femme se met à douter des choix qu'elle a faits jusqu'ici et qui lui semblaient si solides. A-t-elle vraiment la vie dont elle rêvait? Donc celui-ci était à 8,60 €. Toujours livre de poche. Hein. Vous voyez, j'aime bien avoir la bonne taille, la même taille. Il fait un peu plus de 400 pages. Hein. 410 pages, un truc comme ça. Ça va. Ça va le faire aussi. J'aime beaucoup la couverture aussi. Je trouvais la couverture super sympa là aussi. J'adore la couverture. Elles sont vraiment très très jolies. J'ai également acheté Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis. C'est de Stéphanie Exbriat. À l'aube de la quarantaine, Claire jongle avec un emploi dévorant, un patron peu scrupuleux et un mari désabusé. Lors d'un séminaire organisé par son entreprise, elle fait une rencontre inattendue. Grâce à cette nouvelle présence dans sa vie, Claire renoue avec sa confiance perdue, ravive la flamme dans son couple et restaure son estime personnelle. De la dépression à la renaissance, Claire tente alors un coup de poker audacieux pour réaliser son rêve, ouvrir une boutique de bijoux artisanaux en Provence. Un parcours parsemé d'espoir, d'amour et de renaissance. Alors celui-là est à 8,50 €. Bon, les éditions, je ne les connais pas bien, 1, 2, 3 poches, je ne connaissais pas du tout. Ça n'a stricto sensu rien à voir avec... Là, c'est une couverture qui glisse. Là, pas du tout. Vous voyez, celle-ci est brillante. Pas du tout. Mais j'adore aussi l'image de la couverture. Après, c'est la même... Ah non. Ah si, si, si. Si c'est la même taille, je dirais que les... À quelques millimètres près, c'est la même taille que les livres de poche. Hein. Voilà, je dirais que 1, 2, 3 poches est légèrement 1 millimètre plus grand que l'autre. Hein. Voilà. Donc, j'adore, y compris l'image de devant. Donc, il y a bien écrit « Feel good ». Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore pris? Donc, ça, c'est chez J'ai lu. Le restaurant des recettes oubliées. Caché dans les ruelles de Kyoto se trouve le petit restaurant de Kamogawa, d'où s'échappent d'exquises odeurs de cuisine traditionnelle japonaise. En plus de délicats repas faits maison, Nagar et sa fille Koichi proposent son expérience qui sort de l'ordinaire, cuisiner un plat que leurs clients ont en mémoire, mais dont la recette est depuis longtemps oubliée. Pour chaque nouveau plat, la famille Kamogawa enquête et propose à ses convives de déguster une nouvelle fois les mets savoureux qui ont marqué leur vie. Par la magie des émotions et de la nostalgie, ces délices perdus, enfin retrouvés, permettent de rêver et à de nouveaux départs. Donc celui-là était à 7,90 €. J'aime aussi beaucoup hein, l'image de la couverture. Et donc là, je ne vous ai pas dit sur l'autre. Donc, au niveau de l'écriture, c'est pareil qu'un livre de poche. Donc là, il y avait pas grand-chose. Il y a 310 pages. Là. Et là, j'ai
278 pages. Donc, c'est vraiment pas énorme. Et je dirais que celui-ci est le plus petit de tous. Les Petites Merveilles de Lena Walker. Donc là, par contre, c'est un pocket, donc je n'ai pas le tarif. C'est en catégorie 7. Eva a 26 ans, des troubles de l'anxiété récurrents et un emploi de libraire qu'elle adore. Lorsqu'elle est licenciée, faute de pouvoir être payée, son quotidien protecteur vole en éclats. La jeune femme se retrouve nounou pour les enfants d'une riche famille parisienne. Un travail facile et millimétré, du moins en apparence. Elle est en effet loin d'imaginer que les trois enfants lui donneront tant de fil à retordre. Mais rien n'est impossible quand on sort du cadre et qu'on s'accroche. Surtout quand elle décide aussi de sauver coûte que coûte la librairie. Donc, j'adore. Bon, de toute façon, vous savez que dès qu'il y a, en fait, il y a le mot librairie, j'ai l'impression, dès qu'il y a écrit librairie, je suis comme attirée, comme rarement, par le livre. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le plus petit. Il y a 322 pages. Donc, en fait, il est plus gros que celui-là. Alors, comment, comme ça, on dirait pas. Ben, pourtant, vous voyez, celui-ci a plus de pages que celui-là. Voilà. Bon, ben voilà, c'est fait. Je vous ai présenté donc les 5 derniers bouquins que je me suis achetés. Donc, ceux-là, ils vont être lus incessamment sous peu. Eh bien, écoutez, sur ce, j'ai rien d'autre à vous raconter. Non, je ne pense pas. Ben, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit. Tout dépend quand c'est que vous me regardez. Un joyeux anniversaire. Bonne reprise pour ceux qui reprennent le boulot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager. Ça fait vivre la chaîne. Et ça serait super sympa. Merci beaucoup. Bye.